Bonjour à toutes et tous. Je suis Dominique Cardon, je suis le directeur du Media Lab à Sciences Po. Bonjour, Anaïs Adrien-Salmon, je suis chef de projet international au CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Bonjour, Christine Buagier, je suis journaliste à l'AFP et directrice Europe. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui, nous, Sciences Po, CLEMI et AFP, de venir vous parler d'un projet européen qui va se lancer dans le cadre français, qui s'appelle De Facto et qui est un programme qui vise à constituer un réseau d'acteurs engagés dans la détection et dans la lutte contre les phénomènes de désinformation. Alors, avant de vous expliquer un petit peu ce que nous allons faire dans ce projet, je voudrais insister sur une de ses originalités, qui est de mettre ensemble des chercheurs, des journalistes et des éducateurs aux médias dans ce projet. Et d'une certaine manière, ça répond à une sorte d'apprentissage que nous avons fait tous depuis les années 2015-2016, qui est le début de la grande vague d'enjeux autour de la désinformation, des premiers enseignements que nous avons tirés chacun, journalistes, éducateurs et chercheurs, sur les phénomènes de désinformation. Et c'est la raison pour laquelle, d'une certaine manière, le positionnement que va essayer de prendre pendant ces 2 années et demie le projet De Facto, c'est aussi, d'une certaine manière, je le dis un petit peu rapidement, mais d'être d'une certaine manière un fact-check 2.0, c'est-à-dire de tirer les enseignements de la période précédente pour essayer de renouveler et réenrichir le cadre de réflexion autour de la désinformation. Et ce qu'on va commencer par faire dans cette table ronde, c'est essayer chacun d'entre nous de lister 3 enseignements ou 3 choses que nous avons apprises aujourd'hui des phénomènes de désinformation. Et c'est Christine de l'AFP qui va commencer. Alors, ce que nous, on a appris, c'est d'abord que la désinformation est une grande voyageuse. Et je vais vous citer un exemple très simple. Je ne sais pas si vous aviez vu au début de la pandémie qu'une désinformation circulait beaucoup. Elle nous expliquait que pour se soigner contre la Covid, il fallait boire de l'eau chaude, bouillante même, avec du sel et 2 gouttes de vinaigre, et on allait s'en sortir très bien avec ça. Il y a eu un rapport récent à regarder comment cette info avait voyagé de par l'Europe. Il s'appelle Infodemix et il a été fait par les plus grands fact-checkers européens. Et on a vu que cette information, en fait, elle est née en Espagne. On l'a vu apparaître le 7 mars. Et ensuite, elle est allée en Allemagne où elle a atterri le 9 mars. Ensuite, elle a traversé les frontières françaises et britanniques où elle s'est retrouvée publiée sur les réseaux sociaux le 16 mars. Ensuite, elle a pris 3 semaines, alors on ne sait pas pourquoi, mais elle a pris 3 semaines de plus, elle a atterri en Italie le 6 avril, pour finalement terminer son tour d'Europe de nouveau en Espagne, où elle était apparue à la mi-avril. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'actions de débunkage de cette désinformation, mais enfin, ça nous montre que la désinformation, en tout cas sur notre continent, c'est un phénomène pan-européen, et que du coup, il faut réfléchir à une façon aussi pan-européenne d'y répondre. La deuxième chose, je dirais, qu'on a apprise, c'est que la désinformation est très résiliente. Elle n'est pas résiliente en termes de jours, en termes de semaines, en termes de mois. Elle est résiliente en termes d'années, voire de siècles. Parce que si on regarde ce qui s'est passé il y a 100 ans au moment de l'épidémie de grippe espagnole, en Europe, qui était venu des États-Unis, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on avait de la désinformation qui circulait, qui disait « ce virus n'existe pas, il suffit de boire de l'eau chaude pour s'en débarrasser », etc. Donc, déjà il y a un siècle, on avait les mêmes réflexes de désinformation qu'aujourd'hui. Donc, ça nous montre que face à cette résilience, on ne peut jamais baisser la garde. Ça, c'est la deuxième chose, je pense, vraiment importante qu'on a appris. Et la troisième, c'est que, certes, aujourd'hui, il y a une amplification de ces phénomènes par les réseaux sociaux. On ne va pas en faire la démonstration, tout le monde le sait. Mais on a aussi sophistiqué les moyens d'y répondre.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'AFP, où on a 120 personnes qui travaillent sur le fact-checking à plein temps, on est dans 80 pays, enfin, on a vraiment une couverture très large sur ces questions-là. Eh bien, on utilise des outils qui nous permettent de démonter les photos trafiquées, démonter les vidéos trafiquées, de faire des recherches sur les data associées aux éléments qui sont publiés. Et c'est avec tous ces outils qui ont été mis en place depuis 5-6 ans, notamment d'ailleurs par l'AFP, mais pas seulement, qu'on arrive à mieux lutter contre la désinformation. Donc là encore, oui, ça voyage dans l'espace, ça voyage dans le temps, mais on apprend à mettre en place des armes pour se défendre. Alors, du côté de la recherche, on a aussi appris depuis 2015-2016, on a appris beaucoup de choses et je voudrais en souligner trois. La première, c'est qu'on a souvent un débat sur comment les gens reçoivent la désinformation. Et c'est sans doute le point le plus obscur, en réalité, des travaux qui sont menés. On sait qu'elle circule, mais on ne sait pas très bien comment elle est reçue. Mais les travaux qui ont pu réaliser des enquêtes solides sur ces questions montrent que, contrairement un tout petit peu à l'ambiance ou au discours dominant, le couple entre des gens qui seraient rationnels et des gens qui seraient crédules n'est pas ce qu'on observe dans les enquêtes. En réalité, les gens mettent en œuvre toute une série de procédures d'enquête. Ils ne sont pas aussi irrationnels et crédules qu'on ne le pense. Et en réalité, ils ne sont pas aussi enfermés dans des bulles qu'on le dit parfois. En réalité, alors on pourrait le dire avec plein d'exemples, mais les gens qui sont anti-vax sont très informés en réalité de ce que disent les pro-vax. Donc ils ne sont pas enfermés dans une bulle, ce qui n'empêche pas de maintenir leur croyance. On a comme ça toute une série de résultats qui insistent sur le fait qu'il y a des capacités réflexives chez les individus, mais que le paysage et le système informationnel a radicalement changé avec l'abondance informationnelle, avec la viralité, avec la captation de l'attention des internautes et la vitesse, et que du coup, une des conséquences importantes qu'il faut tirer de ce résultat, c'est qu'il y a un enjeu fort sur l'affirmation de la qualité des sources de l'information. Les gens sont toujours attentifs à la qualité des sources de l'information, mais évidemment, il faut renforcer cet aspect. Il y a un deuxième résultat des travaux américains et internationaux qui ont été menés, et français aussi, sur la question de la désinformation, c'est que les phénomènes massifs de désinformation, quand ils ont une influence réelle sur la société, quand ils transforment l'état de l'opinion publique, ils ont été colportés par des... Alors nous, on dit par le haut. L'information vient bien de la périphérie, vient bien d'espaces qui sont plutôt dans les aspects, les zones contre-informationnelles, on pourrait dire, d'acteurs à faible visibilité. Mais en réalité, ces acteurs à faible visibilité ne transfèrent pas de façon horizontale la désinformation vers d'autres acteurs. Quand elle circule fortement, c'est que des acteurs politiques ou des médias de grande importance ont donné de la visibilité à ce qui circulait dans les caves de l'Internet. Et donc ce phénomène est important parce qu'il a comme conséquence de responsabiliser fortement, en tout cas d'enjoindre les grands médias et les acteurs politiques à faire attention à ce qu'ils relaient ou ne relaient pas dans l'espace informationnel. Ces effets de visibilité sont extrêmement importants et évidemment ils ont aussi des conséquences, et ça va être un des thèmes de De Facto, sur la manière de réguler la circulation de l'information dans l'espace numérique. Et puis je voudrais finir avec un troisième enseignement plus général et qui va aussi faire partie des grandes préoccupations de De Facto, c'est la relation entre le système d'information et la démocratie. Et une partie du débat actuel sur la désinformation, le débat qui s'est formé, et je le dis à juste titre, c'est de définir de plus en plus, et on le sent beaucoup aujourd'hui dans le débat public, de définir la démocratie par la factualité, la vérité et le consensus, qui est un élément absolument essentiel, évidemment, du débat démocratique, et ce auquel nous allons être très attachés dans De Facto. Mais il y a aussi une autre dimension de la démocratie qui est essentielle et importante, c'est la participation de tous et du public. Et il ne faut pas que le sentiment de vouloir affirmer la factualité et la rationalité soit aussi une mise à l'écart d'un certain nombre de publics. Donc ce qui est un enjeu fort aujourd'hui, c'est de penser en fait des dispositifs ou des écosystèmes dans lesquels l'attention du public soit orientée vers des informations qui leur permettent une argumentation raisonnable et rationnelle dans le débat public. Et cette ouverture vers les publics, cette idée que, d'une certaine manière, une réflexion sur la désinformation doit aussi engager la participation de tous, et ce qu'a permis le numérique, c'est cette participation de tous, sera aussi un des enjeux de De Facto et est aussi une conséquence de beaucoup de travaux de recherche qui ont été menés sur les phénomènes dits de complotisme aujourd'hui.
Alors cette problématique de l'engagement, je rebondis directement dessus, puisque en matière d'éducation média, elle est vraiment essentielle. L'éducation média n'est pas quelque chose de récent, puisque le CLEMI existe depuis plus de 30 ans. En revanche, on sait qu'elle ne fonctionne que s'il y a l'implication de l'ensemble des acteurs. Donc que ce soit les professionnels de l'éducation, évidemment, mais aussi les médias, les journalistes en tant que fact-checkers, mais aussi comme professionnels de l'information, et les familles. C'est quelque chose auquel nous travaillons au CLEMI, de faire travailler tous ces acteurs à participer, à faire de l'éducation aux médias une réalité pour l'ensemble des enfants. Ça a plusieurs conséquences. Ça implique qu'il faut former les enseignants à être en capacité de se saisir de ces questions, puisque l'éducation média n'est pas une discipline propre, elle doit irriguer l'ensemble des matières. Et on doit également leur proposer des ressources avec l'aide des journalistes. Et nous, au CLEMI, on travaille vraiment à être l'intermédiaire entre le milieu enseignant et les journalistes pour leur permettre de produire ensemble des contenus qui peuvent être utiles sur ces thématiques-là. Et nous produisons aussi des contenus pour les familles, et c'est quelque chose qu'on va essayer de développer dans le cadre de Defacto, de s'adresser vraiment au grand public, puisque les familles sont confrontées directement aux pratiques des jeunes, mais aussi en tant que parents ou grands-parents, on se rend compte qu'elles sont confrontées au sujet de l'information et de la désinformation, et on a à cœur de leur donner les moyens de travailler sur ces sujets. Le deuxième constat que nous avons fait en éducation aux médias et à l'information, c'est qu'il ne faut pas se centrer uniquement sur la lutte contre la désinformation, que l'éducation aux médias doit être un champ beaucoup plus vaste, et on doit permettre aux jeunes d'acquérir une vision globale de ce qu'est une information, de ce qu'est le métier de journaliste, puisque si on se centre uniquement sur les phénomènes de désinformation, on peut arriver à des résultats assez contre-productifs. On parle beaucoup de stimuler l'esprit critique des jeunes, mais l'esprit critique, ça a aussi son revers. On l'a vu, par exemple, en travaillant avec une classe de CM2 de l'Académie de Grenoble qui avait beaucoup travaillé les sujets de désinformation et qui confrontait au sujet un article de Libération portant sur la viande de cheval dans les lasagnes, je suppose que vous vous rappelez de cette actualité, a tout de suite pris le parti d'estimer que c'était une fausse information en ayant des analyses certes très très détaillées sur les raisons qui les poussaient à ce cheminement-là, mais sans revenir au principe de base de qu'est-ce qu'une information, qu'est-ce qu'une source, pourquoi cet article m'est proposé, d'où il vient et comment je peux vérifier que c'est une bonne information. Donc c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour nous et que nous souhaiterons développer dans le cadre de Defacto. Comment on arrive à ça? C'est notamment par des méthodes de pédagogie active. Alors c'est le cas dans les établissements qui pratiquent les médias scolaires. En donnant les moyens aux élèves d'être eux-mêmes des journalistes, en quelque sorte, ça leur permet de saisir mieux les processus de création de l'information, les contraintes d'un métier de journaliste. Et c'est aussi ce qu'on a développé par un jeu qui s'appelle Classe Investigation. Donc c'est une enquête journalistique immersive où les élèves doivent requérir des informations et réaliser un reportage, un petit duplex, ce qui leur permet à la fois de percevoir les contraintes du métier de journaliste et comment une information se crée. Et grâce à ça, ils peuvent se percevoir tout le processus de création d'une information. Alors après avoir fait ces constats, chacun de notre côté, pourquoi Defacto s'initie aujourd'hui? Le projet a commencé, mais il va véritablement apparaître publiquement en décembre avec le lancement d'une plateforme publique. Et l'objectif de ce projet, c'est d'abord de réunir autour de cette plateforme nationale, qui va s'appeler Defacto, un écosystème réunissant les chercheurs, les journalistes et les éducateurs aux médias, mais dans un contexte qui est un contexte européen. En réalité, ce projet, initié par la Commission européenne, à travers une plateforme qui s'appelle actuellement EDMO, qui est elle une plateforme européenne, va essayer de mettre en relation et de coordonner, d'une certaine manière, la production de différents hubs nationaux sur ces sujets. Sur ces plateformes, on va apporter, grâce à l'AFP et d'autres fact-checkers, on va le voir, toute une série d'éléments de fact-check, mais on va aussi y mener une discussion et un débat pour essayer de rendre visible, de susciter la discussion et de susciter la participation autour de travaux de recherche qui vont être menés
dans le projet de facto, et au travers de toute une série de dispositifs d'éducation aux médias. Et donc, on voudrait insister ensemble sur six éléments, hein, six points de, de ce futur projet de facto. Et je passe la parole à Christine. Oui, juste avant d'arriver à deux éléments cruciaux pour nous, je voudrais signaler que dans ce projet de facto, on va aussi mettre en ligne des vidéos très, très simples où on va expliquer au grand public comment, par exemple, on arrive à traquer une fausse photo, comment on arrive à trouver que cette vidéo n'est pas ce qu'elle dit qu'elle est, ce qui est très souvent le cas dans la désinformation, c'est-à-dire qu'on vous dit c'est un tremblement de terre qui s'est produit hier à tel endroit. En fait, non, l'image, c'est un tremblement de terre qui s'est produit 5 ans plus tôt dans un tout autre endroit. Donc, on va apprendre tout ça aux gens via des vidéos très simples pour que, en gros, le grand public puisse s'emparer de techniques de base et se défendre lui-même contre la désinformation. Mais pour revenir à la question de Dominique, ce qui va caractériser ce projet, c'est d'abord qu'il est pan-européen. Quand de facto va naître en décembre en France, d'autres hubs vont naître dans plusieurs pays de l'Union européenne. Donc il va y avoir l'Espagne, il va y avoir l'Italie, il va y avoir un bloc Europe centrale et orientale qui va être composé de la Pologne, de la Tchéquie et de la Slovaquie. Il va y avoir des hubs aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves, sur la Belgique, le Luxembourg. Donc déjà, toute une partie de l'Europe va être couverte par ces projets-là, chacun dans la langue de la zone où ils vont se trouver. Il y en a qui vont être multilingues, comme la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie. Il y aura les trois langues. Ou les pays scandinaves qui vont aussi être multilingues. Et d'autres qui seront que sur un pays, comme l'Espagne, la France, etc. Donc, ça sera une réponse coordonnée pan-européenne. Et d'ici de décembre 2022, il y aura des hubs dans absolument tous les pays de l'Union européenne. Donc, ça sera vraiment une action coordonnée de l'ensemble de l'Union européenne pour se battre contre la désinformation, ce qui est quelque chose, je pense, qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. On n'a jamais vu des sites où chercheurs, experts dans la formation des enfants, des collèges, des lycées et journalistes travaillent ensemble. On n'aura jamais vu non plus une réponse européenne aussi vaste face au phénomène de la désinformation. Ce qui montre quand même, je crois, que l'Union européenne a décidé que c'était un sujet majeur et qu'il fallait y répondre à grande échelle et qu'on ne pouvait plus se contenter de tout petits projets ça et là, qu'il fallait quelque chose de large, d'important, de gros, de visible et qui aide vraiment les gens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans l'ensemble de ces projets et en particulier dans de facto, on va avoir à cœur que le site soit très pluraliste, diversifié pour être crédible. C'est-à-dire que, par exemple, s'il n'y avait que l'AFP qui était fact-checker sur ce projet en France, désolé, mais ça ne le fait pas. Même si j'adore mon entreprise, etc., mais ça ne le ferait pas parce que c'est tout simplement pas pluraliste. Donc, on va inviter tous les grands fact-checkers de France, et je pourrais tous les citer, mais bon, vous les connaissez, il y a Le Monde, il y a Libé, il y a 20 Minutes, il y a Radio France, etc., etc. Non, on invitera le maximum de fact-checkers français à venir contribuer à ce site pour que le public voit que c'est pluraliste, crédible, diversifié, qu'il y a plusieurs types de fact-checking qui sont présents et non pas un seul. Et ça, à notre sens, c'était absolument essentiel parce que sinon, on aurait été immédiatement accusé de ne représenter qu'une entreprise de presse, qu'une voix, qu'un point de vue, alors qu'on n'est pas censé faire du point de vue dans le fact-checking, bien évidemment, mais c'est une accusation auquel on aurait été confronté. Donc, on va faire très attention à ça. Et pour la campagne présidentielle, qui va sans nul doute donner lieu à beaucoup de désinformation, ben, vous pourrez sur un seul site retrouver le meilleur du fact-checking de l'ensemble des acteurs français dans ce domaine. Une autre propriété de facto qui est centrale, qui a été demandée par la Commission européenne et qui donc concerne tous les hubs européens, nationaux qui vont se créer dans le cadre de ce projet européen, c'est l'indépendance absolue des
consortiums qui se sont créés dans chaque pays entre chercheurs, journalistes et éducateurs aux médias. C'est un, d'une certaine manière, le thème de la désinformation, il est aussi l'objet d'appropriations politiques, d'usages politiques aujourd'hui de plus en plus nombreux. Une des vocations de facto, et c'est aussi pour ça que la Commission européenne a demandé à ce qu'il soit piloté par les académiques, on pourrait dire, par les universités, c'est d'être indépendant à l'égard de l'espace politique et des institutions et des gouvernements. Hein. Et donc, ça va aussi être une tâche importante. Alors, je n'insiste pas plus sur ce point, mais vous savez qu'à un moment, on lance toute une série de réflexions, comme la commission Bronner, sur la désinformation. Le but de facto, c'est véritablement de nous inscrire dans nos déontologies respectives, qui sont très solides et qui sont très importantes, celle de la déontologie du travail journalistique. Et ce n'est pas les institutions ou le gouvernement qui nous disent quelles sont les informations qui doivent être vérifiées ou ne pas être vérifiées ou qui sont plutôt justes ou qui sont plutôt fausses, et celle de la liberté académique qui concerne les chercheurs et les enseignants, qui est absolument essentielle. C'est aussi de déterminer nous-mêmes les sujets de recherche, les sujets d'enquête, les sujets à enseigner et les sujets dont il faut rendre compte à travers la plateforme de facto. Donc cette question de l'indépendance, on y est très attaché. On va évidemment discuter avec les institutions et le gouvernement. On va faire des propositions. Les chercheurs vont essayer d'amener des sujets sur la régulation et les proposer au CSA ou au secrétariat à l'information et au gouvernement. Mais l'espace constitué par de facto est un espace indépendant. Et puis une deuxième chose auquel on tient beaucoup, on y a déjà un petit peu insisté, mais je voudrais le redire encore, c'est cette idée de voir la chose en plus large, puisque d'une certaine manière, on va travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il va falloir aussi apprendre à travailler ensemble. Et on va essayer de constituer toute une série de dispositifs, de solutions qui nous permettent de travailler ensemble pour regarder toute une série de questions avec une focale un peu plus large. Et donc, on va imaginer, dans de facto, faire des sortes de fact-check enrichis dans lesquels un journaliste et un chercheur travailleront ensemble sur une question pour faire des papiers un peu plus longs, un peu plus d'enquête. On va aussi essayer de donner des outils de recherche sur les données numériques. Beaucoup se créent et se font pour l'éducation, pour la formation des journalistes et l'utilisation dans l'éducation aux médias. On va aussi essayer d'organiser une série de rencontres publiques pour communiquer régulièrement sur ces questions et rencontrer les publics sur les enjeux qu'on va mettre en forme. Et c'est évidemment un travail qui va associer un réseau de fact-checkers dont Christine vient de parler, mais qui du côté et de l'éducation aux médias et du côté de la recherche ne va pas simplement être celle du CLEMI et celle de Sciences Po. Là aussi, on va mettre en réseau les acteurs nationaux qui, sur ces questions, produisent des recherches ou produisent toute une série d'activités qui sont importantes pour avoir ce regard large sur les enjeux de la désinformation qui sera l'objet de facto. Oui, alors effectivement, cette dimension d'élargir la focale est vraiment essentielle également sur les thématiques d'éducation aux médias. Déjà, on trouve ça particulièrement important de noter que l'éducation aux médias a été prise comme partie prenante dans un projet comme celui-ci. On note qu'au niveau européen, le dernier projet, programme Europe Créative 2021-2027, intègre pleinement les questions d'éducation aux médias. C'est vraiment quelque chose qui nous paraît intéressant et une dynamique qui nous paraît importante à laquelle on souhaite vraiment participer. En créant ces différents hubs, ça va donner la possibilité à ce que les différents acteurs de l'éducation aux médias au niveau national vont pouvoir aussi échanger leurs pratiques et mettre en lien leurs travaux, ce qui n'est pas toujours évident sur les problématiques éducatives. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant dans ce projet. Le deuxième point qui nous paraît riche, comme le soulignait Dominique, c'est de pouvoir travailler avec la recherche. On va mener une enquête pour interroger les jeunes sur leurs pratiques informationnelles et sur l'impact des actions de MI qu'ils auront déjà pu recevoir. C'est quelque chose qui nous paraît important de pouvoir mesurer quelles conséquences l'éducation aux médias peut avoir sur les pratiques informationnelles. Et donc, c'est par la création de ce genre de réseau qu'on peut mener ce type d'action. Et enfin, le dernier point que nous voulons mentionner, nous allons, dans le cadre de DeFacto, mener une grande consultation citoyenne pour donner la possibilité au public et à toutes les générations de réfléchir à l'impact de la révolution digitale sur leurs pratiques informationnelles et de formuler des propositions pour contribuer à cette écologie de l'information qui nous semble vraiment essentielle.
Et nous, ces propositions vont ensuite nous servir de support de recommandations à destination des organisations européennes, mais aussi des institutions nationales, et va nous permettre, pour orienter nos travaux, de se nourrir vraiment du ressenti et du besoin du grand public. Donc c'est quelque chose qui sera vraiment au cœur de notre projet. Ben merci. On a pile fait dans les temps, on était... voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon je pense qu'on nous a fait signe de terminer. On vous donne en tout cas tous rendez-vous en décembre, puisque ça va être le moment où on va être beaucoup plus visible à travers la plateforme De Facto qui se lancera au courant du mois de décembre et qui va évidemment du coup être très active pendant toute la durée de cette campagne présidentielle qui s'annonce. Merci à vous. Merci. Thank you.